comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Bienvenue chez vous. Home, sweet home, comme disent les Anglais. C'est joli comme formule. C'est bon de revenir à la maison. C'est simple. Ça ne demande pas d'effort. Il n'y a pas de pratique à faire pour être à la maison. Parce que notre être, c'est l'être. C'est pas notre être, pas mon être. C'est l'être. Et comme disait Parménide, Krishna reprend ça dans la Bhagavad Gita. Ce qui est ne cesse jamais d'être. Il n'y a pas d'effort à faire, disais-je. C'est une, on pourrait dire, une connaissance, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle connaissance habituellement. Ça ne vient pas d'un savoir mental, ça ne passe pas par la pensée, ça ne passe pas par le corps, ça ne passe pas par le senti, ça ne passe pas par les émotions. Ça a besoin d'aucun médium pour être. Vous êtes déjà en train d'être, chacun. Nous sommes tous nus sous nos vêtements, là. Peut-être nous nous rendons compte de notre nudité seulement quand on prend la douche. Mais la nudité est déjà là. C'est comme les lunettes que tu viens d'enlever sur ton nez, Alexis. Hein? Parfois, ça t'est peut-être arrivé de les chercher et de les avoir, en fait, posé sur le nez. On cherche l'être, quelque part. Parce qu'on a tellement appris pour accumuler des savoirs, d'aller dans une direction particulière. Pour accumuler des savoirs, il nous faut nous concentrer. Il nous faut comprendre intellectuellement, il nous faut saisir, appréhender, s'approprier. Non, la connaissance de l'être, c'est une reconnaissance. C'est une simple reconnaissance de ce qui brille de tous ces feux déjà en chacun de nous là. Tout ce qu'on peut connaître au travers du mental va périr. Tout ce qu'on peut connaître plus tard qu'ici, ailleurs que maintenant, va périr. Et il y a quelque chose en chacun de nous qui ne naît pas et ne meurt pas, qui n'a ni commencement ni fin. C'est ce simple fait d'être. Toutes les traditions spirituelles et philosophiques authentiques évoquent cet être, nous rappellent à ce « je suis ». Toutes les traditions authentiques spirituelles nous disent que notre être est plénitude, déjà. Les hindous, ils ont un concept trinitaire, Sat, Chit, Ananda, être, conscience, félicité. Ceci qui signifie que lorsque vous reconnaissez je suis, que je suis se désengage des identifications abusive, illusoire, je
suis quelqu'un, je suis une femme, je suis un homme, je suis vieux, je suis jeune, je suis ceci, je suis cela. Et que je suis ce fond dans l'être, dans Sat, il y a Ananda, félicité. Infini de là jouant à être